vous mêlez votre gueule dans ce qui ne vous regarde pas. Vous mêlez votre gueule dans ce qui ne vous regarde pas. Si cette vidéo là, c'est pas forcé. Tu fais, tu n'as pas vu. Tu fais, tu n'as pas vu. Même quand tu abordes un sujet, parce qu'on m'a envoyé tes directs là, j'ai dit, mais celle-là, c'est qui ça? Moi, quand c'est comme ça, je fais un tout sur la page de la personne pour voir, pour savoir de quoi il s'agit, quoi. Je m'en vais voir même, tu fais cette vidéo là, il n'y a même pas 6 personnes qui te regardent. C'est quand tu mets le nom des gens en grand caractère. Quand on va te récupérer pour t'insulter proprement comme tu le mérites là. Les gens viendront ici dire que nous on aime insulter. Les gens vont venir dire que nous on aime insulter. Nous on aime faire ceci, nous on aime faire cela. Je vous ai dit ici sur Facebook que Yaka Yaka c'est mon père. Je vous ai dit ici que Yaka Yaka de Paris là, mon grand frère là, je vous ai dit que c'est mon père. Ou bien Apoutou vous a dit que Yaka c'est son père. Regardez-moi la femme là. Avec son beaucoup de corps, on dirait BF là. Narine, tes narines qui peut avaler l'homme là. Tes narines, toi tes narines qui peut avaler l'homme là. C'est-à-dire que moi je dis que je n'ai pas long nez. Mais toi là, c'est comme si ils ont pris pâte à modeler. Ils ont collé sur ton visage et puis ils ont pris les doigts pour faire 2 trous. Pâte à modeler madame, ils ont collé ça sur ton visage. Parce que forcément, on a voulu. C'est-à-dire que c'est comme Dieu t'a créé sans nez. Tu es descendu sur cette terre là sans narine. Mais pour ne pas que tu effrayes les gens là. Ils ont pris pas ta modèle, ils ont collé sur ton visage et puis ils ont pris les doigts là. C'est-à-dire que la personne n'était pas, je sais pas. Quelqu'un a pris ses doigts, ses deux doigts là pour mettre un trou dans pas ta modèle là pour te donner les trous de narine. Tu es grosse, tu es bête, tu es stupide. Avec tes dents, tes tissages du qui sont sur ta tête là. On t'a pas dit que moi ici là. Je regarde les gens. On t'a pas dit, moi, je suis inspecteur de tissage du. Ton tissage du qui est sa tête, on dirait. Comme avec graines, ils ont pilé, puis ils ont séché quelque part là-bas. Ou puis on dirait gratin de riz, là. Faut même pas dire graines. Gratin de riz, quand on enlève et puis on met au soleil pour sécher, là. Quand tu enlèves ça sur tôle, là. Vous voyez un peu gratin, quand tu finis de préparer du riz, là. Tu enlèves gratin, là, non? Au village, et puis tu mets sur le soleil, et puis ça sèche là. C'est quoi tes tissages là sont compliqués, du sur ta tête. Toi, tu es en Europe ici, tu connais pas la mode. Quand la femme là va venir faire vidéo pour vous donner un geste, sa grosse femme de BF là. Aya Robert, Yaka Yaka, tiens, et puis les pages qui sont nues là. Les pages qui sont nues sur la tête ici là. Ils vont te prendre, ils vont te déposer sur les pages. Parce que toi-même là, je ne sais pas qui tu es. Mais quand on va venir t'insulter là, tu vas venir dire que on t'a insulté. Tu vas venir dire qu'on t'a insulté. Ils vont venir dire que ceux-là, ils aiment trop insulter les gens. Il y a une, j'ai vu son visage, ils ont versé poussière sur ton visage. Il y a une, j'ai vu quelque part là-bas. Là. On y est, ils ont versé poussière sur toi. En train de faire direct aussi. Aya Robert. Fien. Cette vidéo là, c'est forcé. Il y a un autre gars aussi, j'ai vu. On y est, il ne mange pas. On y est, il est encore dans le désert de Somalie. Visage sec comme ça. Comment quelqu'un sur la terre là peut avoir visage sec? Tu te promènes un visage sec, visage coco, on dirait bruit de talon. Hein? Visage coco, on dirait bruit de talon. Lui, il dit que lui fait vidéo collage. Que Aya Robert, tiens, vos bêtises que vous faites, vous êtes malade, on dirait. Vous êtes malade. Est-ce que vous me connaissez? Moi là, je n'ai pas envie de parler. Je n'ai pas envie de parler. Voilà, je n'ai pas envie de parler. Si la stupidité vous anime là, n'arrivez pas sur moi. Je n'ai pas envoyé à cette pute gabonaise là d'insulter la Côte d'Ivoire. Et puis déjà même pour commencer à temps, avant de rentrer, je tenais à dire merci à certaines personnes qui ont été très intelligentes et très intelligentes. Moi j'aime. Ça veut dire qu'il y a une dame là, Ozoa, moi-même je me suis retrouvée sur son direct aujourd'hui. Ozoa de Gagnouet s'appelle, non?
une jeune dame qui fait la comédie, qui vend un peu de produits aussi souvent là. Bon, pas souvent, mais qui vend les produits cosmétiques, mais qui est un peu dans la comédie. La femme, celle-là, la jeune dame que vous voyez là, elle avait fait un truc en parabole un jour sur Yves Dero. Je suis sortie sur elle ici. Il est gaspillé en parabole ici. Je ne sais pas si elle a reçu ma vidéo ou pas. Mais moi, j'ai reçu un lien où elle est en train de gens fafouillasser Yves Dero. Jean, Yves Dero a pris son concept ou bien Yves Dero. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle racontait ce jour-là. Mais j'ai des personnes même que je me dis qu'eux, ils vont venir s'asseoir pour me traiter comme il faut là. Mais elle n'a pas fait ça. Je te dis un grand merci parce que j'ai honte. Si, j'ai très honte. C'est-à-dire quand j'ai écouté ta vidéo aujourd'hui, j'avais honte même. Il y a dit, voilà des gens qui réfléchissent. Voilà une personne qui est réfléchie. Je t'ai gêné. Il y a un autre aussi là. Un autre vidéoman. Hein. Je pense que lui, c'est un blogueur aussi. Qui est du côté de Maroc, du Maroc. Attends, je bloque les têtes des mots, s'il vous plaît. Parce que je n'aime pas les voix, ça me met de mauvaise humeur. Vous allez aller vous faire foutre tranquillement. Voilà, je suis pas dans les discours à deux balles. Un jeune là, bien gentil. Un jeune doux, il est très doux. Quand il parle, sa voix même fait dormir. Quand il fait souvent ses directs, il est tellement calme, posé, intelligent. Bien, il est au Maroc. Stony, il est bête de Stony, il s'appelle. Il a fait, bon, je n'ai pas partagé sa vidéo parce qu'il y avait la pute gabonaise là-dedans. Je ne veux pas qu'elle passe sur ma page. Je ne voulais pas qu'elle passe sur ma page. Donc, je n'ai pas partagé. Mais sa vidéo, bon, ça fait un peu rigoler. Mais en même temps, voilà, il n'a pas pris de parti. Mais bon, il a été juste. À qui je dis un grand merci. C'est des gens qui n'ont pas oublié leur cerveau dans le WC. Mais ceux qui ont leur cerveau qu'on met dans qu'on doit mettre dans la chasse, dans toilette pour tirer l'eau là. Allez chercher vos cerveaux dans le WC. Parce que je comprends pas comment vous pouvez être bête. Je vois quelqu'un qui a m'identifié. Aya Robert, tes histoires de cul. Toi-même, tes histoires de con là. Faut pas venir mettre ça sur Facebook. Qui n'a jamais fait parler de garçon ici? Je ne savais pas que le gars, il était en couple. Pourquoi vous êtes bête? Donc moi, là, attends. Comme vous êtes stupide. J'aime tellement écouter mon son, là, quand je fais mon direct, désolé. Comme vous êtes stupide, que vous aimez exposer vos parents sur Internet, vous aimez exposer votre vie privée sur Internet, vous pensez que nous tous, on est pareil. Moi, pour créer buzz, j'ai besoin qu'on insulte ma mère. Ma maman, là, c'est camarade de cette pute gabonaise, là, c'est sa camarade. Donc, elle m'a besoin de s'asseoir insultée en bas de moi. Pour un truc qui est buzz. Vous êtes bête comment? Non, mais vous êtes bête comment? Ne m'énervez pas, hein? Je n'ai pas envie de parler même. Je suis dans mon truc ici. Je n'ai pas envie qu'il me mette sa gueule dans mon affaire. Si vous voulez mettre pour défendre votre Côte d'Ivoire, là, défendez la Côte d'Ivoire. Donc moi-même, je en fais partie. Mais ne m'énervez pas à vos bêtises. Donc moi, je suis là, ma mère, là. C'est trop votre camarade. C'est trop camarade de cette pétasse gabonaise, là. Je vais accepter d'embêter, non, quand c'était ma maman. J'ai accepté d'embêter, insulter ma patrie, ma Côte d'Ivoire. Vous êtes malade. Non, vous là, vous les Ivoiriens bêtes, stupides qui sont sur Internet, vous êtes malades. Vous êtes malades. C'est dans cet état-là, je n'ai pas envie de me retrouver. C'est pour ça que depuis là, il fait des vidéos calmement, il ne parle pas. Arrêtez de m'énerver. Hein. Il faut arrêter de m'énerver. Parce que vous ramassez mauvais. Hein, vous insultez mal. Il est en train de vous vager mauvais. Vous n'allez pas comprendre. C'est pour moi là qui va partir. Nous, vous là, on ne vous connaît pas. Vous connaissez ça, non? Donc, ne m'énervez même pas. La pétasse là, je ne l'ai pas envoyé de venir sur Facebook. Quand j'ai commencé ma relation avec le gars là, je ne savais pas qu'il était en couple. Est-ce que vous comprenez ça? Vous m'avez vu insulter son pays. Vous m'avez vu insulter ses parents. Une fille qui va se lever, insulter tous les Ivoiriens. Insulter toute la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas venir vous asseoir pour parler. Hein?
Mais c'est quand ça vous arrange. Ma tête ne vous plaît pas là. Je suis d'accord. Mais votre gueule là, si vous voulez parler d'elle là, ne m'associez pas à elle. Voilà. Ne m'associez plus à elle. C'est ce que je tenais à vous dire ici ce soir. Donc si pour moi, elle a ses buzz, c'est que pour grimper et puis et Apoutu a ses buzz. Si c'est buzz que d'après vous on est en train de faire là, c'est que la Guinée a payé Apoutu pour insulter tous les Guinéens. C'est que Grimpé a payé Apoutu pour que Apoutu vienne insulter tous les Guinéens. Vu que c'est buzz, non? Qu'elle insulte la Côte d'Ivoire et puis vous dites que c'est buzz, que moi je l'envoie pour insulter la Côte d'Ivoire là. C'est que les Guinéens là, ils ont payé Apoutu pour que Apoutu insulte tous les Guinéens. C'est que les Guinéens ont payé Apoutu pour que Apoutu insulte Grimpé. Vous êtes normal. Vous êtes normal. Vous êtes normal. Vous faites honte. C'est-à-dire que vous êtes prêt. Moi, je peux me prendre la tête avec quelqu'un. Je peux me prendre la tête avec mon frère. Je peux me prendre la tête avec ma soeur. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, là, je ne vais jamais laisser. Je dis bien, jamais laisser. Même mon plus grand ennemi sur cette terre-là. Qu'un autre pays vienne traiter mon ennemi. C'est-à-dire que même si on est ivoirien, mais même si nous sommes ennemis, quand on a fait parler, on est ennemi. Si quelqu'un d'autre quitte là-bas, venir t'insulter là, je ne vais jamais accepter. Je ne vais jamais admettre. Si c'est un Ivoirien, je ne vais pas mettre ma bouche. Mais si ça vient d'un autre pays là, je vais venir recadrer la personne parce que pour moi, c'est l'Ivoirien d'abord. C'est 225 d'abord. C'est la Côte d'Ivoire d'abord. Est-ce que vous avez vu la fille insulter les gars? Vous avez vu un Gabonais faire vidéo pour insulter la fille? Ils sont solidaires chez eux. Est-ce que vous avez vu une Gabonaise? Vous pensez qu'en Gabon, il n'y a pas de blogueurs là-bas? Il n'y a pas de blogueurs au Gabon. Vous pensez qu'il n'y a pas de vidéomans au Gabon? Le gars là, il y a un autre gars là, vilain, qui ressemble à un comment on appelle, un tête de singe là. Pour ne pas dire Akpani dans son graine là, vilain là, Clovis ou bien quoi là. Par moment, il vient insulter les Ivoiriens. Vous avez vu un Gabonais se lever pour le recadrer? Vous avez vu un Gabonais insulter Clovis pour donner aux Ivoiriens? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez vu un Gabonais se lever pour insulter Clovis? Celui qui ressemble à un écureuil dans son graine là. Vous voyez quand vous mettez son graine au feu, puis il y a tête de. Vous enlevez une tête de. Comment on appelle ça? Agouti là. Et puis c'est au milieu de la sauce. Et puis la sauce boucle, on pote. Et puis maintenant, agouti là. Sa tête sort un peu dans la sauce. Et puis ses dents sont là. Ça, ça, le gars là, il ressemble. Mais vous avez vu un Gabonais un jour. Venu le recadrer pour donner aux Ivoiriens, que ce soit buzz, que ce soit peu importe. Mais vous avez vu un Ivoirien, un Gabonais, un jour insulter Clovis pour donner aux Ivoiriens? C'est vous qu'un Ivoirien s'exprime mal pour un pays, vous vous levez, vous asseyez sur lui, vous l'insultez. Afin de grimper ici là. Les Ivoiriens moutons, bêtes, stupides là. Vous êtes levé ici, insultez Apoutou, l'insultez, mêlez sa maman, l'insultez. Mais quelqu'un s'est levé. C'est moi et soit le gars. Le gars, il serait toute la Côte d'Ivoire. Une fille qui se lève, qui insulte tout Abidjan complet. C'est-à-dire qu'insulte tous les Ivoiriens. Ne venez pas faire mon palap. Il n'a pas besoin de vous pour régler mon compte à elle. Il la doule déjà. Elle sait que je la doule déjà. Quand je dis, Apoutu insulter toute la Guinée, non. Plutôt Apoutu qui a eu un malentendu avec Grimpé. C'est pas toute la Guinée, il avait insulté. Il s'est adressé à Grimpé. Mais vous n'avez pas vu comment tous les Guinéens se sont assis sur Apoutu pour donner à Grimpé. Si, vous-même les Ivoiriens Jaïri. Les Ivoiriens toc-toc, les Ivoiriens tong-tong que vous êtes là. Si, c'est pas tous les Ivoiriens, certains Ivoiriens tong-tong, faut pas j'ai dit les Ivoiriens. Certains Ivoiriens tong-tong, certains Ivoiriens qui sont à la recherche de buzz, en quête de buzz, qui veulent forcément se faire du mal à être mon ennemi là. Vous êtes levés, aide nos ennemis. Vous êtes levés, insultant pour tuer, c'est pour donner à grimper. On vous a regardé, on vous a applaudi, on n'a rien dit parce qu'on s'est dit que il n'y a pas de problème. On s'est dit que vous avez défendu grimper. Si on vous demande Grimpé et puis, comment on appelle, Grimpé et puis Edoxy, là, vous pensez qu'ils sortent vraiment ensemble? Si on vous demande, Edoxy et Grimpé, là, ils sortent vraiment ensemble? Ils sortent pas ensemble? Edoxy, elle est dans son buzz. Grimpé, peut-être qu'il est dans son sérieux. Peut-être qu'il est vraiment fan d'Edoxy. Mais je ne pense pas que Edoxy soit vraiment Grimpé. Mais après, c'est leur buzz. Moi, je ne me mêle pas de ça.
Donc, pour faire buzz de la fille, elle et moi, on peut s'insulter nous-mêmes. Je peux lui dire, insulte-moi. Je peux lui dire, insulte-moi, ma chérie. Et puis, je vais l'insulter aussi. Mais venir accepter que des photos que je n'ai jamais mises même sur Internet, des photos que je n'ai jamais postées même sur mon Snap, je n'ai jamais posté sur l'un de mes réseaux, se retrouve sur Facebook. Par cette idiote-là, et puis vous allez venir vous asseoir pour dire que c'est buzz arrangé. Parce que vous aimez les buzz. Parce que vous aimez étaler vos familles pour chercher du buzz. Parce que vous aimez étaler votre vie privée pour que les gens parlent de ça. Moi, ma vie privée, là, je ne l'étale pas. Je vous donne le privilège de mettre votre gueule, votre belle gueule dedans. Parce que c'est arrivé sur Facebook. Comme moi-même, je l'ai toujours dit. Une fois que c'est sur Facebook qu'on parle. Mais comme cette idiote a ramené, on va dire, ma petite vie sur Internet. Donc, si vous mettez votre bouche dedans, c'est parce que c'est sur Facebook que je ne parle pas. Mais ne venez pas vous asseoir devant les Ivoiriens réfléchis. Ne venez pas vous asseoir avec votre bête écologie là. Et puis vous asseoir pour dire que c'est buzz. Donc buzz, moi je vais permettre que cette fille là dans son buzz insulte Yaka Yaka, que moi j'appelle grand frère, un monsieur que je mets en haut, le traiter de PD. Donc dans buzz aussi on va traiter quelqu'un de PD, quelque chose qu'il n'aime pas, qu'on sait, vous l'insulte, n'est pas mal, et puis vous n'aimez pas là. Je vais permettre que lui vienne. C'est que, et puis elle va permettre que Yaka fasse un direct pour l'insulter comme il l'insulte matin. Vous êtes bête comment? Vous êtes bête comment? Dites que, comme c'est Aya Robert, vous n'avez pas envie de parler. Oui, oui, vous n'avez pas envie de défendre votre pays. Parce que vous détestez Aya Robert, je suis d'accord. Je ne vais pas vous en vouloir pour ça. Parce que certains parmi vous, là, vous ne m'aimez pas. Donc vous ne voulez pas défendre votre pays à cause de moi. Je suis d'accord avec ça. Je n'ai pas, tout comme fait, je n'ai jamais appelé quelqu'un pour que quelqu'un vienne parler de mon affaire. Parce que moi-même, là, je peux parler de mon affaire aujourd'hui, parler demain, il n'y a rien. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Dites plutôt que, comme c'est Aya Robert qui marche avec Lolo Beauté, qui marche avec Yaka Yaka, qui marche avec Apoutou, ça vous énerve. Notre étoile sur Facebook, là, ça vous dérange. Notre présence sur Internet, ça vous dérange. Parce que vous, on ne vous connaît pas. Nous, on nous connaît. Vous êtes jaloux de nous. Dites plutôt ça, je vais vous accorder ça. Mais que venir dire que moi, ma mère, je vais venir permettre qu'une prostitute comme ça, une fille remplie de végétus comme ça, une fille sale comme ça, je vais permettre qu'elle vienne insulter ma maman, qu'elle vienne salir mon pays dans des buzz. Je n'ai pas de tête ou quoi. C'est vous qui êtes malade. Vous êtes des malades, vous n'avez pas de tête. Regardez-moi des choses comme ça. Avant de venir vous asseoir pour prendre ce que vous appelez gueule là, pour gueuler sur la toile là. Avant de gueuler sur la toile là, il faut réfléchir. Parce que vous êtes très bêtes. Et moi, ça m'énerve d'avoir des Ivoiriens bêtes parmi nous. Si, ça m'énerve de savoir qu'il y a des Ivoiriens qui sont moutons. Ça m'énerve. L'ivoirité là, quand on dit que Ivoirien d'abord là, c'est passé où? La solidarité là, c'est passé où? C'est passé où? Vous ne m'aimez pas, oui, il n'y a pas de problème. Si c'était un peu plus la fille, mais une fille qui généralise tout un pays, vous n'avez pas la gueule pour lui parler à cause de moi. Vous faites honte. Donc parce que vous détestez une personne, on salit votre pays, vous ne pouvez pas parler. Et vous allez venir mettre comme titre, allez va régler tes histoires de sexe. Moi j'ai besoin de vous pour régler mes histoires de sexe. Pour votre information, mes histoires de sexe là, je la règle très bien. Mon gars là, il est avec moi. Si vous voulez savoir. Donc moi là, je vais venir prendre garde de quelqu'un si Facebook dit que c'est mon gars, fait buzz avec. Il n'y a pas d'autres buzz. Ou bien les buzz que souvent, il y a des buzz arrangés ici qui se font sur Facebook là. Vous chargez, vous prenez ça au sérieux, pourtant c'est buzz arrangé. Donc c'est ça là, ces buzz là. La stupide qui est venue exposer toute sa famille, est venue exposer le père de ses enfants, l'idiote, l'imbécile là. C'est que pour elle aussi c'est buzz. C'est que elle s'est attendue, elle s'est mise en d'accord avec le père de ses enfants, cette stupide conne, gogole là. Elle s'associe avec eux, avec lui, pour venir faire du buzz. C'est que pour elle aussi, c'est buzz. C'est que le petit truc s'est passé à Poutu et Pédoxy là, c'est buzz. C'est que pour ma grande soeur Lolo Beauté, avec ce qui s'est passé dans le temps, c'est que c'est buzz aussi. C'est que c'est buzz. Regardez-moi ce genre de personnes. Regardez-moi ce genre de personnes. Vous n'avez pas vu, avant que
que cette fille-là a venu faire vidéo là. Elle faisait des vidéos sur moi, elle m'appelait, elle me menaçait, elle faisait des trucs. J'avais fait cette vidéo là, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je n'aime pas. L'homme n'a pas envie de parler. Vous allez venir faire, on va venir se prendre la tête entre nous-mêmes ivoiriens. Cette histoire-là ne vous concerne pas. Si vous voulez parler pour défendre votre pays, faites-le. On ne vous retient pas. Mais moi, en tout cas, je salue les Gabonais. Parce qu'il n'y a pas un Gabonais qui est sorti pour salir sa soeur pour vous donner. Non, je les salue. Moi, je salue les Gabonais. Il n'y a pas un Gabonais ou bien une Gabonaise qui est venue faire vidéo pour insulter sa soeur pour donner aux Ivoiriens. Je salue les Gabonais. Oui. Clovis, tête d'écureuil, là, il insulte toujours les Ivoiriens ici. Il n'y a pas un Gabonais qui est sorti un jour pour le recadrer, pour donner aux Ivoiriens. C'est nous qui sommes moutons, là. C'est nous qui sommes bêtes, là. Parce que même nos histoires, nos linges sales, là, on vient déposer sur Facebook. Histoire politique qui se passe dans notre président, dans notre maison présidentielle. On prend ça, on amène sur Facebook. Entre nous-mêmes, on s'entretue, on s'insulte. Et ça vous étonne quand on se révolte. C'est que vous êtes en train de faire là. Ça vous étonne. Quand vous récupérez demain là. Quand je vais vous récupérer demain là. Vous allez dire que Ayanto parlait mal. C'est ça non? Mon affaire là. Si vous ne mettez pas. Je n'ai pas envoyé quelqu'un de parler dedans. Il n'a même pas envie de m'énerver moi. Aïe! De cette vidéo là. Donc j'ai tout le téléphone. Ça dit, je prends un exemple simple. Moi, par contre, moi, l'argent, le bonheur, vous avez venu sur notre retour. Ça nous a appris que ce que Dieu a dit dans la Bible, c'est rappeler de cette vidéo. Lisez le titre. C'est à cause de cette fille-là. De cette vidéo-là. Il y a combien de temps? C'était quand j'avais fait la vidéo. Le 1er septembre. J'ai fait cette vidéo-là pour... C'est-à-dire que... Que sont ceux qui ont regardé cette vidéo-là? Tellement elle me saoulait. C'est moi, Jessica, mais vraiment tu mourras sous tes traces. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu marches, tu regardes derrière. Je n'ai pas peur d'un homme. Je n'ai pas peur. Oh, j'ai même pas envie de mettre sa voix. Je n'ai même pas envie. Non, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de m'énerver. Excusez-moi. Excusez-moi. Sa mise en plan pour eux, mais le pion développe sa mise en charge. Ouais, on a qu'à
Excusez-moi. Désolé. On va faire une pause publicitaire. Désolé. Excusez-moi. Donc je me calme pas bien. Je vous présente le thé Wonderful. Le thé Wonderful pour casser le ventre maigri. Fabriqué à base de feuilles de thé naturelles, le thé Wonderful Slimming favorise une perte de poids progressive et durable, sans effet secondaire. Résultat à 99%. By Wonderful Connection. Prenez le numéro. Fabriqué à base de feuilles de thé naturelles, le thé Wonderful Slimming favorise une perte de poids progressive et durable, sans effet secondaire. Résultat à 99%. By Wonderful Connection. Voilà, le thé il se présente comme ça. Alors, voilà, il y a plein de témoignages, on a plein de témoignages. Voilà. Les thés sont disponibles sur Paris. Alors, on a plein de témoignages. C'est pas du fake. C'est pas du fake. Tout ça sont des témoignages. Tout ça, ce sont des témoignages. Tout ça. Tout ça, ce sont des témoignages. Ah, attendez. Voilà, les thés sont disponibles.
Le temps que je me calme, j'ai pas envie de... Je vais me devant les gens ici. Alors, je vous présente les surprises jacuzzi. Surprise pour un anniversaire, les décos sont bien, les témoignages sont, ils sont vraiment contents. Du coup, je vous mets comment ça se présente, le numéro de téléphone, tout ça. Voilà, on peut l'installer chez vous, dans vos maisons, dans le salon, on l'installe. Voilà, c'est comme ça que ça se présente la décoration. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Donc les numéros sont là. Voilà, les snaps et Instagram, numéro snap, Instagram, Facebook. Donc voilà, capturez, gardez ça pour d'autres choses, pour passer vos commandes. Donc pub Avignon. Alors là, vous avez des tisanes pour tomber enceinte. Voilà, elle a eu un bon résultat, donc elle présente ça. Il y a plein d'autres personnes, les tisanes se présentent comme ça. Alors, je vous... Voilà, tisane, tout est là pour grossesse. Pour les hommes aussi. Tisane disponible pour très parfumé. Alors, donc je vous mets le numéro de téléphone. Capturé. Les snaps sont juste en bas. Instagram. Et le numéro. Donc, il faut capturer ça pour contacter la dame. Donc pub Abidjan, voilà. Le savon pour purifier le corps. Voilà. Les savons sont disponibles. Les savons, c'est donc, ça. Je vais le savon. D'appeler toutes mes clientes pour commander. La vendeuse du savon. Voilà. Donc il faut contacter le numéro. Moi, ne m'appelez pas pour ça en fait. Voilà, il faut contacter les numéros, il faut contacter tous les numéros. Donc voilà, tout est là, WhatsApp, numéro de téléphone. Voilà, c'est ça qu'il faut faire la capture pour pouvoir appeler. Les deux numéros en WhatsApp, donc moi ne m'appelez pas parce que je ne les vends pas, je fais juste la pub. Il y a des témoignages, il y a des vrais témoignages, il y a des gens qui sont... Voilà. Donc, prenez le numéro sur ça. Voilà, les deux numéros sont disponibles pour les savons. Donc, après, je vous mets la pub. Pour ceux qui sont à Abidjan, qui me demandent par rapport à jus d'orange, par rapport à nos produits jus d'orange, voilà, tout ça sont nos témoignages, tout ça sont nos témoignages, jus d'orange, tout ça. Voilà, vous avez du bon savon que vous avez vu là, c'est elle là. La fondatrice, je ne sais pas, je vous mets aussi une vidéo, tout ça c'est jus d'orange, après, il y a quoi comme la vidéo, elle est où, voilà, le magasin est situé au marché de Macon. Bienvenue chez Jus d'Orange, nous mettons à votre disposition une large gamme de produits tels que des produits cosmétiques, pommades, savons, lotions et bien d'autres articles. Nous sommes situés au grand marché de Macon. Joignez-nous au 08 56 57 84 ou sur Facebook Jus d'Orange Beauty Fly. Voilà, donc nous, le Facebook c'est ça. Voilà, donc allez vous abonner, hein. Je crois que j'en ai fini avec les pubs. Donc revenons dans le sujet vite fait, je vous dis au revoir.
que j'ai fait. Désolée, il fallait que je fasse un peu de tout. Donc voilà la famille. Je n'oblige personne à se mêler de cette histoire. Je ne demande pas à quelqu'un de parler dans cette histoire. Je suis une grande fille, je suis consciente. Je ne suis pas venue sur Facebook. Ce n'est pas moi qui ai ramené l'histoire sur Facebook. C'est elle qui m'a exposée. Donc vous devez comprendre. Voilà, vous devez comprendre. Après, concernant elle et moi, elle dit que je sors avec quelqu'un qui n'est plus avec elle. Ça, c'est son problème. Elle et moi, on peut régler. Maintenant, vous, si vous voulez mettre votre bouche dedans par rapport à elle, insulter la Côte d'Ivoire, ne m'associez pas à ça. Ne m'associez pas à ça. Parce que je n'aime pas. On vous voit ici, vous mêlez. C'est-à-dire que vous acharnez sur nous quand il y a un petit truc. Vous acharnez sur nous. Mais quand il s'agit de même dans notre raison, vous ne parlez pas. Même quand on a raison, vous ne parlez pas. Même quand on a raison, vous ne nous défendez pas. On n'a pas besoin de vous. Nous, même, on sait tellement bien se défendre. On sait tellement bien s'expliquer. On peut poser nos téléphones. Mais ne venez pas venez essayer de m'insulter dans ma raison. Je suis désolée. Ne venez pas m'insulter dans ma raison. Ça s'appelle comment? Il y a des gens qui ont tort ici. Vous partez malgré ils ont tort, on a raison là. Mais vous venez mettre votre gueule sur les gens. Moi, je ne vous ai pas appelé pour mettre votre bouche dans mon affaire. Moi-même, c'est à cause de moi, cela. Cette chienne-là, il n'est pas son temps. Je n'ai pas son temps. Je vous dis ça maintenant. Il n'est même pas son temps. Voilà. Maintenant, si vous dites qu'elle insultait la Côte d'Ivoire et que vous êtes tellement trop ivoirien que moi-même, qui suis assise là, que vous voulez la répondre là, vous pouvez la répondre sur ça. Mais ne venez pas dire que vos histoires de sexe, c'est moi qui ai mis Ivoire. C'est moi qui l'ai demandé d'insulter la Côte d'Ivoire. C'est moi qui l'ai demandé d'insulter la Côte d'Ivoire. Et je vois une imbécile aussi qui fait vidéo. Le gars là, il travaille. C'est pas un vanipier. Vous faites ton gars, vous n'avez jamais fait parler des garçons. Ici, c'est à cause des garçons, à cause des pines. Oui, à cause des pines. Oui, à cause des pines. Vous savez pas qu'à cause des pines, il y a la mort dans l'affaire des pines. Oui, à cause des pines, ça vous fait mal. Oui, à cause des pines. Arrêtez de vous donner un genre. Arrêtez de venir vous donner. Oui, à cause des pines. Sur nos parlables de pine là, même nos parents, depuis des affaires de ma rivale là, c'est pas aujourd'hui. Même à la télé, on nous montre des théâtres où deux rivales font parlables, malgré souvent c'est théâtre. Mais on nous, c'est, ça existe. Oui, si vous avez honte là, dégagez. Parce que vous baisez aussi. Vous prenez les pines des gars aussi. Donc arrêtez de venir faire à cause des pines. Aïe, tu fais honte. Oui, à cause de pine. Mais c'est pas pine de ton grand-père. Donc faut pas que ça te fasse mal. Faut pas que ça te fasse mal. Vous avez compris. Le gars là, il travaille. Pour votre information, il s'occupe très bien de moi. Pour l'information, il me donne l'argent. Donc je ne le laisse pas. Voilà. Je ne le laisse pas. Qu'il soit bien haut. Il soit pas bien haut. Nos parents d'avant là, ils sont restés dans ça. Nos papas là ont trompé nos mamans jusqu'à. Mais ils n'ont pas laissé tomber. Ils se sont mariés pour aujourd'hui là. Le foyer a porté fruit. Donc vous n'êtes pas d'exemple. Venez me dire ce que moi je dois faire de ma relation. Je suis dedans pion. Je ne laisse pas pion. C'est ma relation pion. Oui, à cause de pine. Vous faites parler de nez. C'est pas parce que pour vous n'êtes pas sur Facebook que vous allez venir faire à cause de pine. Le gars là, s'il vient vous draguer des vieilles au confroissé, vous n'allez pas accepter. S'il vient, vous allez courir. Il ne va même pas vous draguer. Si vous le voyez passer, vous allez courir pour prendre son numéro. On vous connaît ici. On vous connaît ici. Donc arrêtez de venir faire genre. Arrêtez de venir faire comme on ne fait pas parler de pine. Parce que vous n'avez pas pine là même pour faire parler de ça. C'est ça. Pine là même en question là, vous n'avez pas. Pine là même en question là, vous n'avez pas. Pour faire parler de ça. Donc il ne s'agit pas de venir dire que c'est à cause de pine. Parce que moi, c'est parce que j'ai ça. Que je dis, je ne laisse pas. Mais vous même qui êtes en train de parler là, la pine là en question là, vous n'avez pas. Dans vos maisons. Vous n'avez pas. Mais moi-même, regarde à distance. Je effraye déjà. Pine qui est à côté de toi dans ton pays là-bas. Moi, je suis jusqu'au bout du monde ici là. Ça te fait trembler. Donc, imagine s'il était à côté de toi. Tu allais te suicider, ma chérie. Tu allais te suicider. Mais moi, l'ivoirienne que je suis,
La fille baoulée, oui, certifiée que je suis, je dis, je ne laisse pas. Donc, tout ce que vous allez dire, c'est votre problème. Vous n'avez jamais fait parler de pin. Si vous n'avez jamais fait parler de ce qu'on ne vous a jamais aimé, c'est qu'on ne vous a jamais dragué. C'est que c'est vous qui êtes les femmes, vous qui êtes dans, en relation avec les godes là. Vous êtes en relation avec les com-com. Oui, oui, vous êtes en relation avec les godes. Parce qu'il y a vous, parmi vous, il y a plein qui font les relations avec les vibros, avec les gods. Moi, je fais relation avec un vrai homme. Je ne vais pas faire relation avec un caoutchouc. God là, mais je n'ai pas ça. Mm-hmm. Donc, ne confondez pas votre relation avec un com-com et votre relation avec God là. Avec moi, ma relation, vrai, je suis dedans. Yéré, là. Ne venez pas confondre. Voilà. Toi, l'imbécile qui a montré ma photo, ma position, oui. Aïe. Il s'est donné une relation, mon gars, elle ne va pas le séduire. À cause de toi, tes bêtises. C'est-à-dire que vous, là, je vois votre société, vous ne faites rien. Vous savez que vous avez fini ça. Tout à l'heure, je parlais de pub, là, vous êtes quitté. Hein. Une fois que j'ai recommencé, là, vous êtes revenu. Donc, vous êtes voulu vous affairer gratuitement. Mais je vais vous faire ma pub. Pour avoir les produits de jus d'orange, oui. Pour avoir les produits de jus d'orange, contactez Aya Robert, parce que tout à l'heure, là, quand j'ai commencé à faire pub, on est descendu à 80, à 800 personnes. Une fois que j'ai repris, c'est un jus, vous aimez, vous faites exprès comme vous n'aimez pas. Vous faites exprès comme vous n'aimez pas un jus. Vous faites comme vous n'aimez pas parler. Regardez la stupide qui fait vidéo. Oui, pour avoir les produits. Parce qu'il faut qu'on fasse la pause publicitaire. Il faut qu'on fasse la pause publicitaire. Vous voulez pas, vous allez écouter. Mm-hmm. Vous allez sauf qu'écouter. Parce que ce qui a fait que le gars là m'a aimé là, c'est à cause de moi-même mon courage. Oui. Il dit, tu es une femme battante. Il dit, oui, Aya, tu te bats. Tu te bats. Vous vous battez contre l'homme. Moi, je me bats contre ma vie. Je me bats pour avancer. Je me bats pour progresser. Je me bats pour évoluer. Ça vous fatigue. Ça vous dérange. Ça vous dérange. Comme c'est Aya. Si c'était une autre personne là, vous allez venir faire votre bouche là. Clac, 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 sur Facebook ici. Mais Aya vous dérange. Mon étoile vous fatigue. On parle de moi sur Facebook là, ça vous fatigue. Si, ça vous dérange. Ça vous dérange. Vous n'avez pas de personnalité. On va pas venir parler de quelqu'un qui ressemble à ciseaux. Les filles qui ressemblent à ciseaux, on va pas venir parler d'une fille, des femmes qui ressemblent à ciseaux. On va pas venir parler des femmes qui ont quoi BF. On va pas venir parler des femmes qui ont Gaïa Brandier, gilet de gilet on met dans l'eau pour se sauver là. Si. On va pas parler de quelqu'un qui a visage dur, qui a visage sec. On va pas venir parler de vous. On va parler de moi, j'ai tout ce qui peut plaire à quelqu'un. Et moi-même, quand tu entends mon nom, Aya Robert, c'est chic. Ça sort de l'ordinaire. Donc, ça vous fait mal. Donc, vous ne voulez pas que les gens fassent un peu mon palabre. Ça vous dérange. Donc, il faut les voir en bas. Oui, c'est buzz. Pas fait pour toi aussi, si c'est buzz. Si c'est buzz, que ça te dérange. Va faire ton buzz aussi. On t'a empêché de faire ton buzz. On t'a empêché de faire ton buzz. Ton modèle de ciseaux là, on t'a empêché de faire ton buzz. Regardez-moi les trucs comme ça. Non mais il faut arrêter. Quand c'est buzz. Vous voulez pas mettre votre buzz que dedans. S'il y a des Ivoiriens qui sentent qui sont sentis frustrés, qu'une idiote a insulté le pays qui veut la recadrer, laissez-la. Celle-là peut me payer combien pour que je vienne buzzer. Elle peut me payer combien. Quand vous regardez la fille, elle arrive à manger. Ou bien ceux qui ont doit venir faire buzz là, c'est une fille comme ça. Je vais vous montrer la fille qui vous dit qu'il doit faire buzz, il fait buzz là. Je vais vous la montrer, mais attends, tout d'abord on fait la pause publicité. Si. Celle que vous dites que je suis en train de faire buzz, elle là, je vais vous la montrer tout à l'heure. Et puis vous-même, vous allez me dire si on peut faire buzz avec quelqu'un comme ça. Vous allez me dire ça. Regardez-moi ce genre de choses. Regardez-moi ce genre de choses. Hey! Oh! Pour venir de... Hey, Seigneur. Non. Oh, ça là, j'ai toujours voulu mettre ça à côté. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Hmm.
Je ne voulais même pas me mettre dans cet état-là, franchement. Parce que j'ai déjà gagné. Le truc est déjà pour moi. La relation est déjà pour moi. C'est parce qu'elle est perdante qu'elle s'agite. Donc quand tu es une femme que tu as gagné, que le globe même te valorise et qui te met en haut, là, tu ne viens plus te mettre dans la poubelle. J'ai déjà gagné le truc. Le gars est déjà pour moi. La fille, elle est dans son gourmet là-bas. Donc si elle entend être délirée, laissez-la délirer. Je vais vous présenter la fille. Ça, c'est les publicités que je fais sur Snap. Regardez la fille qui vous dit que je suis en train de faire buzz. Là. C'est elle là. C'est celle-là, il fait buzz. Hein, celle-là. Regardez-la. C'est celle-là. Moi, je suis en train de faire buzz. Elle. Moya Robert, je viens me mettre celle-là. Quelqu'un qui n'est pas normal, quelqu'un qui est dérangé dans sa tête comme ça. Là. Une débile. Regardez-la, en train d'embrasser le miroir. Hein? C'est avec elle, là, moi, je fais buzz. Hein? Vous ne me respectez pas. Hein? Non, vous ne me respectez pas. Hein? Donc, celle qui est là, là, celle qui est en train d'embrasser le miroir, vous voyez là, là. Et puis, elle a filmé pour mettre sur son... Regardez-la. C'est elle, là, je fais buzz. C'est celle-là. Je n'ai tellement rien à faire de ma vie. Je m'ennuie tellement dans ma vie. Hein? Je n'ai rien à faire. Attends, je mets le truc. Hein? Je n'ai rien à faire. Je vais faire buzz. Là, voici ici. Regardez là. C'est là qui a eu à fait buzz. Elle attend d'embrasser le miroir. C'est qu'elle dit que j'ai pris son mari. La voici ici. Hein? C'est celle-là que je fais buzz. Attends, je vais vous montrer une photo d'elle. Parce qu'elle m'a bien exposé. Je vais l'exposer aussi, puis il n'y a rien. La voici, hein, celle que je fais buzz, elle là. Hein. Où elle est même? C'est elle là. C'est elle là, moi je fais buzz. Regardez son modèle. C'est elle qui est en train de faire buzz. Hein. C'est celle là. Moi je suis en train de faire buzz. C'est qui est là là? C'est qui est devant vous là là? C'est elle, je fais buzz. Quand lui là, il a insulté tous les Ivoiriens. Regardez sa tête. Quand je vous ai parlé des curés là, c'est lui. Hein. Regardez sa tête. On est à cercueil. Tête, on est à cercueil. Cercueil sans peinture. Vous voyez les cercueils sans peinture là. Les cercueils sans peinture là. Regardez sa tête. Comment l'homme peut être comme ça sur la terre ici? Et puis il est parmi les hommes. Regardez le modèle. C'est ce qu'elle veut vous montrer là. C'est ça, je suis en train de faire buzz. Pour avoir combien? Donc son clash, elle a fait Tiesco le sultan, apparemment. Aussi pour une histoire d'argent. C'était buzz aussi. C'était buzz. Donc considérez pour Apoutu là comme buzz, quitter sur sa vie. Les Guinéens, grand pays. Et puis Doxy Yao, ils ont payé Apoutu pour qu'Apoutu les insulte. Ils ont payé pour tout, pourquoi pour tout les insultes? Ils ont payé pour tout, pourquoi pour tout saliste vient insulter grand pays? Donc c'est pour eux aussi ces buzz. C'est que je viens vous montrer là. C'est avec ces deux personnes qui sont pas ceux-là. Quand vous voyez la fille, elle charge bien. C'est quand vous voyez cette fille-là, son écran guédé bas. Tout guédé dans sa tête. Donc c'est avec elle, moi. Je vais venir m'asseoir comme ça. Hein. Et puis je vais faire buzz. Elle n'a qu'à insulter la Côte d'Ivoire. Une fille comme ça qui est en train de l'appeler le miroir. Quelqu'un qui embrasse le miroir. Garçon, va être toi comment? Toi, tu dis tu as décidé de te mettre en. Quelqu'un qui se met en relation avec un miroir. Et puis en train de l'appeler miroir comme ça. Le gars ne veut pas se mettre. Allez, toi, tu es dans ta relation avec un miroir. Lui, il est dans sa relation avec une vraie personne. Où est le problème? Où est le problème? Arrêtez un peu. Arrêtez un peu, pardonnez. Les Ivoiriens, venez, faites pas un tour renversé. Puis ça a devenu pour nous-mêmes. Votre gueule là, si vous voulez pas mêler dedans. C'est que le problème, c'est que je ne vous ai même pas demandé. Je n'ai pas fait au secours. Au secours, oh, venez m'aider. Oh, celle-là ne peut pas partir, moi, je ne peux pas. La relation est déjà dans ma main. Le gars là, il est pour moi.
Donc, quand il vous dit que je ne le laisse pas, que lui et moi, on va se marier là, vous ne comprenez pas ça. Hey, Cracho, il y a déjà gagné. Relation est déjà pour moi. Elle est en train de s'affoler. Si on a quelque chose qui dort avec toi, quelque chose qui est pour toi, est-ce que tu fais bruit pour ça? Voilà mon ordinateur, c'est dans ma main ici. Vous allez me voir aller faire bruit. Voilà mon ordinateur, c'est dans ma main ici. C'est quand peut-être je touche du bois ainsi qu'il y a un problème dessus, j'allais voir le réparateur. Mon ordinateur écran tactile. Il a oublié de. Vous avez vu? L'ordinateur écran tactile de ça. Écran tactile. L'ordinateur écran tactile, oh. Ça fatigue. Surtout à cause de l'ordinateur, elle voulait serrer son cou. Écran tactile de ça. Tu n'as pas besoin de toucher le clavier. Ça bouge sur l'eau. Loup tactile. J'ai aimé. C'est sur tactile, j'ai aimé mettre mon son. Hein. Appuyer tactile. Oh. Et ordinateur écran tactile de ça. Elle a voulu étouffer le gars la nuit. Hein. Elle dit avec ordinateur aussi. Hein. Elle dit avec ordinateur. Hein. Elle dit elle-même elle avait double écran tactile. Ordinateur qui n'existe pas là. C'est qu'on n'a jamais créé là. C'est ce qu'elle dit elle veut. Hein. Ne jouez pas hein, la pute gabonaise. Hein. Une fille qui n'est pas normale comme ça. Une fille qui est dans sa... Elle est dans sa relation, un miroir. Moi, je suis en relation avec mon chéri. Non, je ne sais même pas de quoi elle parle. Elle-même, l'entrée fait, c'est tout qu'on ne sait même pas de quoi elle parle. Franchement, moi-même, c'est vous qui êtes en train de faire que je pense qu'elle parle. Sinon, je vous promets que je ne sais même pas de quoi elle parle. Je sais, quand elle parle, souvent, elle me dit... Ah. Bon, comme souvent, l'homme doit parler, la bouche est faite pour parler. Hein. C'est pour ça que je dis rien. Sinon... Si on me demande, moi, je ne sais pas de quoi la fille a parlé. Hein. Faut pas pour le truc, mais bon, je ne sais pas de quoi elle parle. Du tout pas. Parce que moi, je suis à l'aise. Là, je viens de raccrocher mon chéri. Voilà, il allait tranquillement travailler. Moi, je lui ai dit, je viens faire mon travail aussi sur Facebook. Donc, tout à l'heure, on va s'appeler. Bon, il n'y a pas de problème, quoi. Je discute avec mes beaux-parents. Ça va. Ça va. Là, mais il m'a demandé de ne pas trop de me reposer, en fait. Parce qu'il a vu, on s'est appelé sur FaceTime aujourd'hui, là, mes yeux. Il a vu que mes yeux étaient un peu truc. J'avais un peu de scène. Donc, il m'a dit, ah, repose-toi. Il m'a dit, il ne veut pas que je reste là à parler comme ça sans me reposer. Donc, je dois me reposer. Donc, je l'ai dit, les managers, même pour faire vidéo, il ne voulait pas. Il dit, va te reposer. Donc, je ne sais pas. Il prend soin de moi, je prends soin de lui. Il y a une fille qui est en train de délirer sur Internet pour ça, hein, venir se prendre la tête. Je ne sais pas de quoi vous parler, hein. Sinon, mon chéri, là, il travaille, c'est pas un vagabond, hein. C'est pas un vagabond, c'est pas un vanipier. C'est pas un piéton, il a voiture, il a son entreprise, il travaille, il a une vie stable. Il vit en Europe, c'est pas un gars qui a besoin de visa. Il vit en Europe ici. Il vient, il va partout dans l'Europe. Même États-Unis, je suis jamais parti, il connaît là-bas. Voilà, il va aux États-Unis, il voyage, il va partout. Ses parents ont l'argent. Lui-même, il compte pas dessus ses débuts, donc je sais pas de quoi vous parlez. J'ai l'impression que quand souvent je vous entends parler, il y a des vidéos que j'ai écoutées, j'ai l'impression que vous parlez d'une autre personne. Mais vous ne parlez pas de pour moi là. Parce que moi, mon gars là, il n'a pas besoin de moi pour venir en France. Moi-même, j'ai quelle situation et puis j'ai envoyé quelqu'un en France. Il vient ici, il va. Là, il doit venir même. Il doit venir même. Donc moi où je suis là, si c'était un gars qui cherchait visa là, je n'allais même pas me mettre en relation avec lui. Parce que moi-même où je suis là, je ne sais pas son visa, il attend, il va venir à quel moment. Mais c'est parce que je sais qu'il est ici, il vient ici. Et moi-même où je suis là, vous connaissez ma situation. Mais il va aller prendre bateau aussi pour venir. Et un gars va aller prendre bateau. Et puis nous deux, on s'est retrouvés dans un couple de bateau. Ça ne peut pas marcher, moi. Un couple de bateau, deux couples de bateau ne peuvent pas être ensemble. Un couple d'avion, un couple de bateau, ça va ensemble. On s'associe, on se met ensemble. Mais donc, lui, il va aller prendre bateau, venir mon quoi. Mais lui, ma dot qui va se faire ces jours-ci, là, c'est, je ne sais pas. Je ne sais pas, on devrait vous parler de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, ou bien qu'est-ce qu'elle vous a dit, ou bien vous êtes informé comme ou bien, je ne sais pas, il n'y a qu'un problème. Hey! Le gars travaille, il a sa vie, il a deux voitures, ses parents ont l'argent, il est bien placé au Gabon, il voyage partout dans le monde. Qui va lui donner visa là? Moi-même. Moi-même, visa là, j'ai eu aussi, puis ça lui est donné. Hey! Vous êtes bête souvent, hein? Visa là, j'ai eu aussi.
Il faut quelqu'un qui a déjà eu visa dans sa vie pour donner visa à quelqu'un. Vous n'avez pas dit que moi je suis venue par papier. Donc vous devez savoir que visa là je n'ai pas aussi. Non, c'est pas à lui, je vais aller donner. Je vais chercher à voir d'abord. Mais ben, vous dites que moi je suis venu par bateau. Non. Vous dites qu'il n'est pas visa. Donc quelqu'un qui n'a pas visa, donner visa à quelqu'un. Vous n'avez pas vous. Attends. C'est pas dans la rigolade, hein. Je vais rentrer, je ne vais pas trop vous montrer, mais bon. Attends, je diminue la lumière parce que je n'ai pas envie d'exposer ma vie privée. Voilà, ça je suis dans... Attends, je vais diminuer la lumière. Ça je suis dans notre WhatsApp et dans notre conversation. Hein. Je rentre dans côté photo. Il y a des mandats que j'ai reçus de lui. Ça, ce sont des mandats. Je ne sais pas, je n'ai pas envie d'approcher ça là-bas. Je vais aller voir mes trucs, je ne veux pas. Tout ça, c'est des mandats. Bref, je ne sais même pas mieux quoi à vous prouver. Tout ça, c'est des mandats. Tout ça, c'est des mandats. Tout ça. Tout ça, c'est des mandats. Tout ça, c'est des mandats. Western Union. Ils s'occupent de moi. Donc, arrêtez de rêver. Moi-même, je n'ai pas pour donner à quelqu'un. Moi-même, si tu es nouveau-né même là, tu viens me draguer là, ton an de tétine, l'an de biberon, l'an divisé en deux. Je ne suis pas dans le fait de... Ça, c'est avant. C'est avant, quand j'étais un peu plus jeune. Voilà, je me mettais dans les relations où, quand le gars n'a pas, j'essaie de tout. Maintenant, là, ton an de biberon, c'est-à-dire que tu as 2 ans ou bien tu as 1 mois même sur la terre ici, tu es fan de moi. L'an de biberon, ton an de l'aile, l'aile, on divise en deux. Hein, tu as dit à ta maman, elle va diviser l'an de l'aile en deux. L'an de l'aile, quand on va le payer à la formation, on divise en deux. Tu prends la moitié, il prend la moitié. Il ne laisse pas. C'est pas moi-même, j'ai pas pour donner. Si mon âme est gratte, je vais aller donner à l'orphelinat. Quoi, j'ai pas pour donner à garçon. Même son nouveau-né, je le prends, même si je le prends au berceau. Même si je le prends au berceau. Son âme des petites. S'il ne fait pas attention, même là, l'âme des trousseaux, là, ses parents m'ont divisé en 2 mois. Oh, j'ai tous les jolis garçons qui sont versés sur la terre. Là. Je vais m'occuper. Lui-même, il n'aime pas. C'est elle qui force à s'occuper de lui. Parce que comme elle n'est pas bien normale, elle a besoin que d'un gars. Donc, ça ne va pas trop dans sa tête. Donc, lui aussi, il ne peut pas aller surveiller une fille qui va dans sa tête gratuitement. Parce qu'ils doivent aller la déposer, l'interner là. Les Gabonais ne veulent pas l'interner. Donc, il vient au moins, quand elle le voit, elle est dans toute sa joie. Donc, il ne faut pas faire ça gratuitement. C'est un travail. Lui, il travaille chez elle. Il est embauché chez elle là. Il vient... Pour qu'elle lui donne l'argent, il ne peut pas aller rayer son visage pour rien. Un visage effrayant comme ça, il ne peut pas aller s'asseoir pour rien. Moi, mais je l'encourage, bébé. Si elle t'appelle, c'est qu'elle suit, elle t'appelle même pour venir juste la voir comme ça. Là. Il faut qu'elle te paye. Tu n'es pas n'importe qui, hein, mon cœur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu prends et puis tu ramènes à la Ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. On a déjà besoin de construire au pays. Voilà. Donc, si son âme, la gratte qu'elle te donne, ramène-moi. C'est ça que lui fait mal, en fait. Parce qu'elle a vu les mandats là, son cœur, c'est ça le problème. C'est l'argent qu'il m'envoie là, c'est ça qui a mougou son cœur. Parce qu'elle n'a jamais gagné ça avec lui. Elle n'a jamais gagné ça avec lui. Imagine, on me donne. Et même pour payer l'eau, c'est elle qui paye. Il n'a jamais même payé un café pour lui donner. Et puis c'est moi là, qu'il a connu il y a 4 mois, 5 mois bientôt là. C'est à moi qui donne l'argent, c'est ça qui peut la tuer. Donc ma chérie, c'est comme ça. Nous, les Ivoiriens, là, si on doit être gigolo, on fait gigoloyage là, entre nous, quoi. Voilà. On fait ça entre nous-mêmes. C'est-à-dire que si on peut prendre un jeune Ivoirien, on va l'entretenir. C'est. Mais on ne peut pas aller prendre un gigolo d'un autre pays pour l'entretenir. Peut-être en France, ici, je ne pense pas même. Si on peut être gigolo entre nous-mêmes, un jeune
qui ne travaillent pas parce qu'ils sont beaucoup fainéants souvent aussi. Mais il y a des jeunes cadres aussi qui travaillent. Bon, chez nous, les Ivoiriens, il y a des jolis garçons, des frères. Des gars, on dirait, on les a enlevés dans du miel. Ils sont jolis, jolis. Bien chic, chic. Là. Mais on peut être chocolat, nous, parce que l'argent reste dans la Côte d'Ivoire, ça reste. Mais je vais quitter ma Côte d'Ivoire, tous les gars, corps frais, frais, tablette de chocolat. Mon gars, il est chic, en tout cas aussi, il est beau. Voilà, il est comme j'aime là. Et puis, aller dans un autre pays pour dire que je vais aller donner l'argent au pays là. Vous savez pas de quoi vous parlez, donc fermez là. Parce que le gars, c'est pas un fainéant. C'est elle qui le force. Quand elle appelle, même viens, il dit qu'il a quelque chose à faire là. Elle dit viens, je vais te virer de l'argent sur ton compte. Viens. Et puis, elle vit l'argent là d'abord qu'il arrive. Elle connaît. Elle connaît que. Façon, c'est pour ça qu'elle dit que les Ivoiriens sont des brouteurs. Parce qu'elle-même là, elle a un brouteur à côté d'elle-même qui la broute même. Il a fini à la dévaliser. Il a fini à la brouter. Elle-même, elle connaît. Toi, si un Ivoirien, c'est calme même qui te fait trembler comme ça, quoi. C'est lui qui te fait trembler quand tu trembles, quand tu sais pas où tu vas te mettre. Hein? Parce qu'un frère Ivoirien ne va pas aller te draguer, prendre tout le reste de ton âme qui est dans ton compte, là. Même te faire vendre ta maison, te faire vendre ta voiture, et puis tu as marché nu, tu as retourné aller faire ton striptease que tu faisais, là. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est lui qui a pitié de toi parce que bon, vous êtes du même pays, il ne veut pas trop te faire du mal. Faut tomber sur un Ivoirien, tu vas comprendre. Brouteur, brouteur, tu as dit là. Tu vas comprendre. Tu vas vendre ton caleçon pour le nourrir. Bécile. Bon, la famille. Je vous laisse avec le son. Ton love avec je tenais aussi à dire un grand merci à Seni Kangba. J'étais étonnée même et à l'unique Bucker. Voilà, j'étais vraiment étonnée. Seni Kangba, avec qui j'ai eu plein de conflits sur internet, souvent même quand ça pète dans sa tête là, il fait des vidéos. Mais moi je le regarde parce que je me dis que voilà, je m'attaque pas. Mais bon, j'ai vu ta vidéo ce matin, il y a mes attaquants qui m'ont ramené ça. Bah, merci pour le soutien. Voilà, merci. Malgré tout, tu as montré, même quand si on est en discours, un autre pays ne peut pas venir nous insulter. Pareil pour, comment on appelle ça, l'unique Baker. Je vous remercie en tout cas. Oui, bébé. Hein? Tu es où, ça? Tu es où? Mais tu es où? C'est maintenant elle me marie, c'est pour me marier. Où ça? Tu as déménagé là? Ah, mon nouveau chéri, c'est le... Je t'ai dit ça la dernière fois, donc je suis venue te voir. Quand j'ai fini mon direct, il y a bien t'expliqué. Ah, tout à l'heure, bébé. On se dit au revoir avec ceci. Dosa ma 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 dos
Tu es fort d'Aïchi. En tout cas, bah, je souhaite bon vent à Séni Kramba. Énormément dans tous les secteurs. Et je vois certaines personnes, attends. Grand-père a fait pour lui ici. Avec Edoxy. Vous n'avez pas mis votre gueule dedans. Vous n'avez pas dit si c'est bon, mais c'est pas bon. Attends. Grand-père a fait pour lui ici avec Edoxy. Vous avez apporté votre soutien. Vous avez aimé ça. Lola beauté, maintenant, c'est la bise qui a la mode. C'est parce que je suis en couple. Sinon, j'allais partir chercher Ange Faro, j'allais faire ma bise avec lui. Même si c'est en FaceTime, on allait faire notre bise. Mais il faut voir des gens qui sont jaloux du couple de Lola beauté avec Séni Kramba. Pour dire qu'eux, ils ne croient pas. Donc, pour Edoxy, là, vous croyez, c'est pour eux, là, que vous ne croyez pas. Séni Kramba, ce n'est pas l'homme. C'est parce que lui-même, souvent aussi, là, il est un peu compliqué. Il est difficile aussi. Mais lui aussi, son modèle, là, c'est difficile. C'est Django. Son modèle est difficile. Mais Lolo va le calmer. La fille est dans son couple. Vous, ça vous fait mal. Vous allez venir faire vidéo. Lui, quand je dis son visage est sec, on dirait noir de coco, là. Il va venir faire vidéo. Qu'est-ce qu'il prouve? Ça vous fait mal pourquoi? Ça vous fait mal pourquoi? Hey, laissez les gens vivre leur vie. Si tu es trop fâché, va embrasser ton gars ou bien tu n'as pas de gars. Si vous n'avez pas de gars, là, allez embrasser le miroir. Faites comme la pute gabonaise. Parce que vous êtes en relation avec les comcom, avec les bois de placali, parce que vous mettez ça beaucoup en bas de vous. Si vous n'avez pas de relation, allez embrasser le miroir. Vous avez un miroir, vous vous regardez vous-même, vous vous embrassez. C'est quoi? Laissez le couple. Séni Kramba et Lolo beauté tranquille. Laissez-la vivre leur amour. Pourquoi ils ne peuvent pas se mettre ensemble? Si Edoxy et plus grand-père sont ensemble, c'est que Séni Kramba et puis tout peut être ensemble. Qu'est-ce qui est impossible? Rien n'est impossible sur cette terre-là ici. Donc laissez le couple mondial, le couple milliardaire, voilà, le couple milliardaire, c'est pas les povolos, d'après elle-même. Laissez le couple milliardaire. D'abord, mon grand-père dit que lui n'est pas d'accord. En tant que lui, il n'a pas demandé main de Lolo. Donc moi, je ne comprends pas son affaire aussi. Parce que sa façon de faire, moi, ça me plaît. Moi, j'étais fan de lui ici. Il m'a dit, non, on n'a qu'à faire petite soeur, grande soeur. Petite soeur, grand frère, du moins. Moi, il a dit, Yaka, moi, je suis fan de toi. Il dit, non, il faut être ma petite soeur. C'est de Lolo, toi, tu es fan. Toi, tu as force de soulever. Mais si toi et moi, on était ensemble, il n'y a pas, comment on appelle ça, la pute gabonaise n'allait pas venir m'insulter. Si toi, tu te mettais avec moi aujourd'hui, j'étais en relation avec toi, là. Ils n'allaient pas venir insulter la Côte d'Ivoire. Donc, tu es dedans aussi. Donc laisse Séni Kramba être, puis cherche-toi une autre femme. Parce que si tu te mets Lolo, tu as marié deux femmes. Ça, je te dis ça même. Donc enlevez à faire des grands prières. Parce que tu es trop frère, tu es trop beau. Donc faut arrêter. Lolo seul ne peut pas avoir tout ce qui est bon sur la terre ici. Il n'est pas aimé. Hein. C'est par rapport à quoi? Si vous avez applaudi pour Edoxy, d'après, comment il s'appelle même, grand-père. Edoxy, là. C'est que vous pouvez applaudir pour Séni Kramba et puis Lolo beauté. Il y a quoi dans jalousie? Il y a quoi dans jalousie? Là, c'est le couple mondial, le couple milliardaire. On dit le général a déjà béni le couple. Laissez-les vivre leur vie. Si vous n'avez pas, parce que vous n'avez pas de sujet sur Facebook. Ce qui m'énerve, c'est que quand vous demandez à venir faire vidéo là, essayez un peu de vous cultiver. Essayez un peu de suivre les blogueurs. Moi, je vous donne un conseil, hein. Essayez un peu de suivre les blogueurs américains, les blogueurs français, canadiens, belges. Essayez un peu de regarder un peu les tours dans les télés pour vous cultiver. Essayez un peu de taper sur YouTube, aller suivre un peu les youtubeurs parce que vous n'avez pas de sujet. Vous ne pouvez pas maîtriser un sujet. Moi, là où je suis, je peux venir m'asseoir, faire un débat. Et puis, c'est dit qu'il y a 5000 personnes qui vont me suivre, 5000 personnes vont me suivre. Ça dépend de moi. Voilà. Mais vous ne maîtrisez pas. Quand vous parlez de autre chose, on ne vous regarde pas. Il y a de la perdue du désert, là. La perdue, là. Elle veut forcément venir mettre sa gueule dedans aussi. Ma chérie, toi, on a fini de faire ton travail. On a fini de te régler.
faut aller t'occuper de tes nombreux trucs que tu as, que tu appelles enfant. Va t'occuper de ça. Voilà, va t'occuper de ça. Tu as plein de choses à aller faire à la justice là-bas. Va t'occuper de ça. Enlève ta gueule. Oui, enlève ta gueule dans les histoires des gens. C'est-à-dire que tu veux forcément être à la mort. Tu es obligé de mettre ta gueule dedans. Tu es obligé de mettre ta gueule. Ça veut dire que sans nous, tu n'es rien. Parce que tant que tu ne parles pas de nous, tu ne peux pas avancer. Ça là, si c'était moi, j'allais faire vu et ignorer. Si c'était moi, j'allais faire vu et ignorer. Mais sans nous, tu n'es rien. Tu ne seras jamais quelqu'un. T'as un crayon. Modèle, on dirait ciseaux là. Et puis, ce n'est pas n'importe quel ciseau. Les anciens ciseaux qui sont, que les toklo-toklo se promènent, ça là, en fer là. Avec tes habits, tu transpires chaque jour là. Parce qu'on te, deux jours, on ne te parle pas là. C'est-à-dire que tu veux qu'on t'insulte. Tu aimes qu'on t'insulte. Dis aux gens que tu es maso, que tu adores qu'on t'insulte. Parce que quand on te laisse un peu, tu ne veux pas laisser. Tu aimes qu'on t'insulte bien. C'est ce qui te soigne ta tête. Parce que tu es très bête. On t'a libéré là. On ne s'occupe pas de toi, ça te fatigue. Tu veux aussi être présent dans un truc. Attends, tu es bizarre dans le truc. Toi, tu peux venir. Toi, tu es exemple pour donner conseil à quelqu'un. Toi, tu dois te cacher. Il faut te cacher derrière un rideau rouge. Imbécile, non. Pas énerver les gens, hein. Sale chienne. De toute façon, on dit que tu attends, il y a un crapaud dans ton ventre. On ne va pas venir t'insulter. Tu vas venir mettre ton con ouvert, là. Ton con ovale, là, dans des histoires qui ne te regardent pas. On n'a qu'à parler de toi aussi. Tu veux forcément apparaître dans ça, là. On n'a qu'à te regarder aussi. Ton nini-pli. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. C'est très important. Et n'hésitez pas de fouiller souvent vos inbox. Faites comme Francesca. Francesca Seri, la femme de Shekinahel, celle qui est passée dans comment on appelle, l'incroyable mariage ou bien un mariage pour une lune de miel. Elle a dit que elle check toujours les inbox. Même derrière inbox, il y a des gens qui vous écrivent, ça va de l'autre côté là. C'est là-bas que j'ai trouvé mon chéri là. Parce qu'il m'écrivait, mais que moi je ne voyais pas, il n'était pas ami avec lui. Donc je l'ai trouvé de l'autre côté. Attends, il m'avait laissé plein de messages sur Snap. Il m'avait laissé plein de messages sur Facebook, sur ma page. Il ne faut pas que j'oublie. Attends, je bloque certaines personnes. Excusez-moi une minute. Il ne faut pas que j'oublie. C'est des Ivoiriens même qui viennent me mettre les têtes des morts. Vous vous ennuyez tellement de votre vie. Franchement, c'est pitoyable tout ça. Vous allez aller faire votre prostitution là devant là-bas. J'espère que moi, chez moi, on ne fait pas songlia sur moi. Hein. Sur ma page ici, là, on ne fait pas songlia sur ma page. Vous allez aller faire votre songlia de mettre les têtes rouges là devant là-bas, imbécile que vous êtes. Bande de chiens, des affamés, des cochons, des salades d'oignons que vous êtes. Francesca Seri, ce conseil-là, le jour où j'ai regardé son direct, j'ai retenu que ça. Souvent, quand vous regardez les directs des gens, il faut retenir ce que les gens disent. Elle dit son mari l'écrivait. Souvent, il y a des gens qui nous ont fait toujours malin. Vous acceptez les demandes d'amis des gens et quand on vous écrit, vous ne répondez pas. Moi, c'est pas personne publique maintenant sur la toile. Donc, il y a certaines choses que je ne vois pas. Mais le gars, là, il a insisté. Dans les directement du Gabon. C'est là, il m'a dit, va voir mes messages. Et puis, je suis allée. Non, un jour, je fouillais, je voyais des gens qui m'avaient écrit. À chaque fois, je vais regarder. Quand tu n'es pas ami avec quelqu'un, après, tu vas voir derrière, quand quelqu'un t'envoie un message. Donc, je suis allée voir là-bas. Et c'est comme ça, j'ai vu, il m'a laissé plein de messages. Il regardait mes directs, il me partageait, il me repartageait même mes directs. Il prend mes directs, il me repartageait ça dans mon inbox. Donc, c'est comme ça, j'ai vu. Et puis, voilà. Le jour, il m'a appelé. Moi, j'ai vu, j'ai zappé même. Il a mis un pouce. Donc, quand j'ai mis le pouce, il m'a demandé, je peux t'appeler? J'ai dit oui. C'est comme ça, il m'a appelé directement. Il ne m'a pas appelé sur WhatsApp, il m'a appelé de la direct. On a fait plus d'une heure de temps au téléphone. Après, quand on a discuté, après, il a commencé à me crier. Même Marie a discuté lui une heure de temps.
C'était ça là, mais j'avais oublié. J'ai discuté avec lui une heure de temps au téléphone là. Je ne calculais même pas. Il m'a demandé, je peux te écrire sur WhatsApp. Après, il a commencé à m'envoyer des messages sur WhatsApp. Coucou, coucou. Bon, je calculais pas. Jusqu'à après, je dis, ben, tiens, c'est bon. Le gars, il a trop galéré, c'est bon. Hein? Aïe, faut pas trop le faire attendre. Hein? Parce que même tes frères ivoiriens, ils n'allaient pas prendre ce temps là. Eux, ils sont là pour mougou et pour faire du mal aux gens. Donc, le gars, il est vraiment sérieux. Et quand j'ai commencé à lui parler de mes projets, lui-même, c'est lui-même qui a commencé à me parler. Il m'a demandé ce que je fais. Je lui ai dit, tu sais ce que je fais, je suis vagabonde sur Internet et tout et tout. Donc, on a commencé à parler de projets. Lui et moi, on a commencé à parler de projets. Et voilà. Donc, quelqu'un comme ça, moi, quelqu'un qui me parle de projets, qui me parle de mes parents, qui me parle de connaître ma famille, je me dis, c'est une personne bien. Voilà. Donc, du coup, je suis avec lui et je ne le laisse pas. Non, il a dit merci à Francesca Seri pour ce conseil-là. Vérifiez souvent vos inbox. Parce qu'il y a l'homme de votre vie là-bas. Ne négligez pas souvent les gens. Voilà. Celle-là, je considère que c'est un petit démon qui veut venir briser mon foyer, mais elle ne va pas m'arrêter. Parce que c'est des amours. Je suis fan de lui, oh. Je suis fan de lui, oh. Il est fan de moi, oh. Ma chérie, tu peux te tuer. Tu peux te tuer. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, bon vendredi à tous. Et que Allah accepte nos prières, que Allah nous protège, que Allah nous fortifie et que Allah apaise nos cœurs. Que Allah te donne l'homme que tu mérites. Allah te donne le mari qui te mérite. Allah te donne un homme selon ton cœur, selon ce que ton cœur veut. Parce que lui là, c'est l'homme selon mon cœur. Parce qu'il y a eu trop des hommes qui n'étaient pas à mon cœur. C'est l'homme selon mon cœur. Dieu m'a donné. Il a écouté mes prières. J'ai jeûné pour ça. J'ai dit, Seigneur, si c'est un vrai homme là, il a commencé à jeûner. Quand on a commencé à parler là, j'ai fait 6 jours de jeûne, sans manger, sans boire pour lui. Pour que Dieu me montre la face. Moi, il a coupé ma. Il a dit qu'il a passé 6 jours sans manger. Et puis, il est venu le laisser. C'est vous qui avez passé les 6 jours là sans manger. Ou bien c'est cette pute là qui a pas. Moi, il a passé 6 jours sans manger. 6 jours jeûne sec, sans manger. 6 jours. Il a laissé, il a coupé mon ventre pendant 6 jours pour venir le laisser demain. Ah, pito. Il ne le laisse pas. Je ne le laisse point. Il ne me laissera point. On se laissera point. On se maria, oui. Bonne soirée, je vous aime. C'était Aya Robert, la future belle-sœur des Gabonaises. C'est de ça qu'il s'agit. Peace.